crois qu'il n'y a plus de route. Oh, hé, hey, je crois qu'il n'y a plus de route. Non, tu l'as pas vexé rien du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est en travaux. Je crois, ils vont faire la route. C'est trop bien les soirées autour du feu. Logo des Loïcars. Hier soir, on n'aurait pas pu le faire parce qu'il y avait trop de vent. Non, c'est vrai. Ah, mais du coup, là, on n'a plus de flamme. Bah oui, mais regarde. Oh, la butte, elle va prendre. Il va falloir que tu fasses quelque chose, yo. Parce que là. Ah, pas que tu dois aller prendre, parce que là. Hein, ça va brûler le bois là. Hein. Mais non, il brûle pas, il n'y a plus de flamme. Mais si, ça va brûler. Allez, Loïc. Allez, Loïc. Allez, Loïc. Et ceci, c'est bon cuir en deux. Et la grille sur le feu, là, sur les braises, les petites patates, elles sont en dessous. On va mettre les saucisses et puis ça devrait être bon. Hein. Au pire, on a du riz. Au pire, super Vinciane a fait du riz. On fait du riz. Ouais. C'est le petit feu du soir. Moi, les saucisses, miam, hein, miam, miam. Je sais pas. Bon, les gosses, vous êtes où? Excellent. Là. Attends. Hein? Vous voyez le bus là-bas? On le voit là, ici, dans la direction générale de là. Monsieur, on marchait sur la route et au bord de la route, il nous a dit vas-y, monte dans le bus. Faut nous amener jusqu'à la ville, gratuit. Faut pas ça en France. Hein. En plus, il s'arrête pas, tu peux ça mourir. Ça fait trop bizarre, il te dit vas-y, vas-y, monte. Bon, t'es plus rien en fait. Et il puis a à rien la voulu. Fin, on lui dit tu veux des sous? Non. Rien voulu. Ah, excellent, franchement, bon. Excellent. La Turquie, ils ont le cœur sur la main. Ah, ils sont trop gentils. Allez, on va chercher les légumes pour faire de la soupe. Faire la soupe. Bon, ben voilà, avec Yo-Yo, on était parti faire. Enfin, on est parti chercher le goûter et trois courses. On s'était dit, on fait la cabane et tout. Et puis en fait, ils ont bien attaqué. En fait, ils étaient super motivés, les enfants, quand on est parti. On a été chercher les enfants. Et en fait, l'une des deux, ils ont dit. Et puis, ben voilà. Ah, maman, je peux dormir. Du coup, la cabane est pas mal. En fait, on s'est dit que ce serait bien de faire une petite cabane pour les petits chiots, là, pour qu'ils puissent se mettre. À l'abri. Ils étaient déjà en train de rentrer dedans. Ah ouais, bah voilà. Comme ça, ils peuvent se mettre au chaud. Regarde bébé, tu peux aller dormir dedans. Regarde. Voilà, tu peux faire le dodo ici au chaud. Avec mes frères et sœurs. Et toi, aller chercher les branches d'olivier fraîches là. Allez, on va aller chercher les branches. On s'en occupe. Bon, bah voilà, on finit le bois. Ouais. Ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est les dernières braises. On a nettoyé toute la forêt. Demain, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Non, il fait pas froid. Hein. Ça va. Tu t'es bien acclimaté à la Turquie, je pense. Ah ouais, j'ai sorti le bonnet. Non, mais après, j'ai froid aux petites oreilles. Le vent est pas chaud. Franchement, on est bien là. Les soirées autour du feu, c'est trop ouais, bien. C'est top. Ça va, ça se passe bien. Il a foiré ma vidéo là quand même.
Non, non, mais il fait bon sinon. Ouais, il fait bon, il fait super bon. La moitié d'autour d'un monde de la crème, l'autre qui a un bonnet capuche moumouté. Mais... Machallah. Machallah. Pour les amis turcs qui regardent en France, machallah. Distinctement pour le traducteur Google, non, le traducteur YouTube qui met les sous-titres, car si nous articulons pas bien notre phrasé, il peut pas traduire en anglais et après il dit du caca. Je sais pas s'il va bien traduire. Ben voilà, tu as chié dans la colle. Je suis pas sûr qu'il traduise bien tout ça. Si, tu vas voir, il a tout compris et tout entendu. Mais ça fait moins naturel d'un coup. Vous faites la montagne russe. Non, c'est les montagnes turques. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus pourrie que ça. Route à double sens. Attends, on est bon goût. Celle-là, elle aurait été sympa en piste quand même. Ouais. Un museum ici. C'est raide. Ah, le souk. Avec le scooter de Minos. Ici aussi, ils ont des Domino's Pizza. Ah là là. Ah putain. Choper la crève en plus à cause des conneries d'Alice. Oh, la pauvre Alice. Oh, regarde un magasin de pêche. Ouais. Il y en avait un aussi tout à l'heure. Chasse et pêche. Je crois qu'il n'y a plus de route. Oh, hey. Je crois qu'il n'y a plus de route. Non, tu l'as pas exprès du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est en travaux. Ils refont la route. Ils refont la route. C'est sympa. Hein. Remarque, tu diras, ça coûte moins 5 là, tout à l'heure. Hein. J'avoue. C'est pas qu'il avait le 4x4. Oh. Ah. Et là, il y a de la boue, regarde. Et là, il y a de la boue. Et tu parles, il n'y a rien. Si, regarde, écoute. Ah, on va être propre là.
de map. On a vu une zone de terre sur map. On s'est dit, ah, ça va être trop bien là pour dormir. Bah non. On va pas y aller. C'est un port. Bah, c'est le port en fait. Voilà. Allez, bah, demi-tour. Ce soir, ce sont nos sauveurs. Ah ouais. On les a attendus pendant près de 2 heures. Bon, peut-être pas quand même 2 heures. Ah, garantie que si. Hein. On n'a pas beaucoup avancé et on a pris du temps pour faire les courses. On va vérifier et je mettrai en haut combien de temps on vous a attendu. Voilà. Ah, je pense qu'on les a attendus 2 heures enfermés dans le 4x4 tellement il y avait de vent. On a traîné. Et là, quand on a vu GG arriver. Ah, oh, le vent s'est arrêté et on a pu ouvrir la tente. Gégé chasse le vent. Et doublement sauveur, parce que en plus, on est au chaud. Il nous fait à bouffer. Et triplement sauveur, il fait à manger. Quadruple. Quadruple, en plus. Ah ouais, ils ont sauvé. Ils ont sauvé la vieille de la bière. Ils ont sauvé la vieille yo-yo. Ils ont sauvé le bois. Le bois entier. Ils ont sauvé le bois parce que là. Ils ont trouvé de la bière. Pour l'instant, la Turquie. Comme quelqu'un que je connais dirait, c'est pas fifou. Ah, les gens sont très gentils, mais putain, non, c'est parce qu'on n'est pas assez au sud. Tu vas voir, c'est très ça construit, va aller, hein. c'est très construit. C'est très construit. Et sinon, c'est très construit. Et sinon, je pense que c'est très construit. Je pense que c'est très construit. Allez, vas-y. Non. Tu veux filmer? Oh non! En plus, c'est de la farine à pizza, c'est vachement fin. Hé, t'es content de tes mains? Oh là là! Alors? Oh, ça va. Et c'est le premier vieux. Ah, mais faut pas ouvrir le placard trop vite quand on sort de la route! Mais il a combien de temps ce sachet aussi? Bah oui! Faut l'utiliser, c'est tout! Il y a ma femme prend dans son rein, les saucisses sont en train de cramer! Il y en a partout! Bah oui, mais il me faut une boîte pour remettre les saucisses, et les boîtes sont là! Mayday. C'est un peu ça. La farine partout. T'as pas honte? T'as coupé les saucisses? Ah non. Et il a ramené les escalopes, truc machin là? Oui, ouais, oui. Ils sont là. Mais non, pourquoi tu m'as fait éteindre le feu là? Ça y est, je suis perdu, c'est le marin. Ça y est, c'est le séminaire. Ce soir, on mange brûlé. Mais non, pas encore. Pour ça, faut vite que vous. On peut pas gagner à tous les coups. Donc des fois, les spots de rêve. C'est un petit goût de loupé. Il faut être heureux de ce qu'on a. Voilà. Heureusement qu'il y a la Lovicar Tribu pour nous couper le vent. Parce que la plage, c'est sympa. Et en fait, on est en plein centre-ville. On a roulé plus de 3 heures pour se trouver un spot sympa. Finalement, on n'a pas trouvé le gardien de la réserve pour savoir si on pouvait y dormir. Donc, on a opté pour le parking en centre-ville. Bon, on a dormi super tranquille, pas de circulation et tout. C'est pas pourri, mais y a mieux aussi. Loïc vient de sortir et de me dire « Oh, ça va ? Il fait pas froid ?» Je crois qu'on n'a pas la même conception de ce que c'est que froid. Vous êtes prêts ? Je pense que lui et moi, on voit pas la même chose. Oh, il fait pas froid. Ouais, je suis gelée là. Sérieux? Comment il peut dire? Et puis alors, trop sexe en plus. Voilà. Hein? Vive le vent.
Ça, c'est censé éviter le vent. Hein? Pas. Bah, ça marche pas. En fait. Ça marche pas du tout. Un peu quand même, hein. Avec comme ça. Ça va, Noah? Tu vas aller voir les animaux? Regarde-moi, regarde-moi. Noah, il s'est dessiné sur la tête à l'indélébile. Ça part pas. C'est pas trop. C'est bon. Il y a toujours la petite cahute. Une petite cahute là, mais bah, il y a personne en fait. Du coup, on sait pas trop. On aimerait bien dormir dedans, mais... Il y a un panneau qui dit camping interdit sauf autorisation. Ouais, il y a un numéro de téléphone, on va essayer d'appeler. On va essayer d'appeler, on va voir comment ça va se passer. Allez, tire. Nous avons été envahis de macaques, ils sont montés sur la remorque en bande. Je crois que les enfants ils se sont avancés vers là-bas et ils ont vu tous les moutons arriver vers eux, je crois. J'ai entendu Noah courir. Attendez-moi, attendez-moi. Là, cela c'est vraiment le paradis, hein, par contre. Hein. Tout le monde est là en liberté, se balade. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une porte pour les bouillies. Sors. Et là, j'ai fait le chemin pour aller au
parc. Aller au parc. Tu as fait une maison pour le bousier. Et avec une porte juste là. Avec un chemin qui amène. Attention, ça pique peut-être. Ah, ça, c'est le parc. C'est pour le bousier. Oh, t'as oublié les trois feuilles. Ils sont pas gravité jusqu'ici. Rien que de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut. Merci pour le coup de main. Rien, c'est un coup de bidon plus qu'un coup de main. Prends l'eau de l'abreuvoir. Ce soir, c'est session douche. Du coup, on remplit. Pratique d'avoir la cuve là-haut parce qu'on peut remplir même au bidon. Ah bravo. Ah ouais, je suis baisé par la bouteille. C'est écrasé. Ce soir, on a allumé le chauffe-eau. Hein. Allez, les gars, ils sont en train de finir de remplir l'eau. Hop, voilà. Et puis, les enfants sont installés là.